Voilà, alors Coinbase, c'est un exchange, il euh, y en a d'autres. Euh, c'est un exchange qui est entre guillemets relativement sûr, sur lequel il y a beaucoup de volume. Il va vous proposer en fait euh, trois crypto-monnaies, qui sont des classiques, on va dire. Hein. Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Rappelez-vous, les crypto-monnaies qui sont basées sur des blockchains, chaque crypto-monnaie est basée sur sa blockchain, donc une façon d'échanger l'argent, un type d'utilisation, etc. Euh, et, et donc, quand il y a des nouvelles monnaies qui sont créées, c'est juste parce que ben, la blockchain telle que cette monnaie veut utiliser n'existe pas, donc ils en créent une nouvelle, et donc ça crée une nouvelle crypto-monnaie. C'est pour ça que vous avez plein de crypto-monnaies euh, qui existent. L'interface de, de Coinbase, elle est assez facile à comprendre. Euh, elle est en anglais, hein. je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas euh, anglais. Euh, là, je suis en CHF, en franc suisse, mais euh, évidemment, elle s'affiche en euros si vous voulez, ou en dollars, si, si ça vous fait plaisir de regarder en dollars. Euh, et donc, vous avez tout de suite un graphe, suivant si vous cliquez sur le Bitcoin, l'Ethereum ou le Litecoin, vous avez le graphe qui apparaît de, euh, du taux euh, par rapport au temps. Et donc là, euh, bah vous voyez, j'ai une échelle à un an, one year en haut à droite, qui est indiqué, Et donc euh, je suis passé de environ 776 euh, francs suisses à 13 284 francs suisses en 12 mois. Un peu plus de 2000 de, de croissance. C'est pas si mal que ça. Donc vous pouvez regarder hein, l'évolution euh, du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du Litecom euh, dans sa totalité de l'historique à un an, à un mois, à une semaine, à un jour ou à une heure. Je vous déconseille très forcément de regarder à l'heure, sinon vous allez commencer à paniquer hein, vu les volatilités. Euh, je vous déconseille aussi de manière générale de faire du euh, day trading. De dire euh, je vends aujourd'hui, je rachète, puis je revends quand le me paraît. Il y a quand même des frais qui sont liés à ça, et c'est extrêmement volatile, donc c'est pas toujours des stratégies qui sont euh, en général euh, bah, payantes dans le sens premier du terme. Vous voyez les courbes actuelles, euh, et c'est euh, une vraie exponentielle, hein. donc c'est pour ça que je vous invite très fortement, même à mettre très peu, parce que ça monte. Voilà, tout simplement. Vous avez euh, vos portes, vos wallets, vos porte-monnaies. Donc vous avez un porte-monnaie en Litecoin, un porte-monnaie en Ethereum, un porte-monnaie en Bitcoin et un porte-monnaie en euros. Ça, c'est sur Coinbase. Mais chaque exchange va vous proposer potentiellement des, des crypto-monnaies différentes. Le porte-monnaie en euros, c'est tout simplement quand vous. Revendez du Bitcoin ou du Litecoin ou de l'Ethereum. En fait, vous le récupérez pas directement sur votre compte en banque. Vous le récupérez d'abord sur votre wallet en euros. Et de là, soit vous le réinvestissez sur quelque chose d'autre, soit vous le laissez pour l'instant parce que c'est pas intéressant sur votre wallet euro. Soit à ce moment-là, vous pouvez le récupérer sur votre compte bancaire. Ça, c'est comme ça que fonctionne Coinbase. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres exchanges qui peut-être euh, vous permettent de euh, repasser directement sur votre compte en banque. J'en sais rien. Moi, j'ai utilisé Coinbase pour démarrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez, alors, j'ai caché un peu les montants. Hein. C'est pas que j'ai des sommes astronomiques, mais, euh, mais voilà. Euh, vous avez donc pour chaque ligne euh, le montant en Litecoin. Le montant en Ethereum, le montant en Bitcoin et ce à quoi ça correspond dans votre monnaie. Moi, c'est du CHF, mais pour vous, ce serait plus probablement de l'euro. Voilà, tout simplement. Donc, ça, ça vous donne en direct ce que vous avez dans votre porte-monnaie en Bitcoin et combien ça représente à la valeur actuelle de l'exchange. Euh dans votre sur, sur votre porte-monnaie si jamais vous sortez cet argent, évidemment il y a un petit peu de transactions à, à penser, mais voilà, c'est l'argent que vous auriez. Faites-vous un petit fichier euh, séparé pour, votre, pour avoir votre historique entre guillemets C'est toujours intéressant de l'avoir. De quel taux Qu'est-ce que vous avez acheté À quel montant Etc. Pour voir euh, quand vous revendez, si vous, votre plus-value nette, c'est ça qui vous intéresse. C'est pas spécialement de voir ces montants tenter c'est de voir qu'est-ce qu que vous avez fait comme plus-value réelle. Quoi. Tout en haut, vous avez une interface de base avec dashboard qui est votre, votre accueil, on va dire. Buy and sell, donc c'est ça qui va être intéressant pour la suite, c'est comment acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Account c'est vos comptes. Euh, les outils euh, de tête c'est pour vos moyens de paiement, les choses comme ça, euh, vos cartes de crédit pour acheter. Euh, votre compte en banque pour faire des, trans, des transferts SEPA ou pour recevoir l'argent si vous le retirez donc là on va on va cliquer sur euh, buy and sell pour acheter ou vendre euh, de la crypto donc quand on clique là dessus on arrive d'abord de base sur l'interface buy qui est pour acheter et vous voyez donc euh, le tout en haut Bitcoin Ethereum ou Litecoin donc suivant quelle crypto-monnaie vous voulez acheter Là actuellement, j'ai sélectionné du Bitcoin. Vous avez votre mode de paiement. Moi, j'ai euh, plusieurs cartes de crédit, plusieurs comptes qui sont liés derrière. Donc, vous choisissez sur quoi ça va être débité. Et en dessous, donc vous avez quand même hein, une carte, une limite euh, hebdomadaire pour éviter de vous faire craquer totalement et aussi pour le site. Euh, donc, euh, bon, ça m'étonnerait que vous fassiez exploser, mais on sait jamais. Hein. Il y a peut-être des gens très riches qui regardent cette vidéo et qui veulent investir des sommes phénoménales. Et donc, en dessous, tout simplement, quand vous avez sélectionné votre monnaie, donc là, le bitcoin qui se simplifie en BTC. Soit vous indiquez la quantité d'euros que vous voulez acheter en Bitcoin, soit vous indiquez la, la quantité de Bitcoin que vous souhaitez, et là il vous affiche le montant en euros, et vous appuyez sur Buy Bitcoin Instantly, et il va vous afficher les euh, frais de transaction, et il va vous dire combien ça représentera de Bitcoin euh, sur votre wallet Bitcoin, euh, une fois que la transaction a été validée. Ben Rappelez-vous, hein, la blockchain, une fois que vous cliquez là-dessus, l'information est envoyée sur la blockchain. Il faut que assez de gens valident votre transaction, soient d'accord sur le fait que c'est bien vous qui envoyez ce montant-là, qu'il va partir de votre compte en banque ou de votre carte de crédit pour arriver sur euh, le wallet en Bitcoin de Coinbase, etc., etc. Donc ça peut prendre plusieurs minutes à se valider paniquer hein. et à un certain moment votre euh, transaction va être validée vous allez voir apparaître vos montants en bitcoin et aussi votre transaction bancaire de, de sur votre compte en banque pour celle hein, c'est relativement euh, identique pour pour vendre donc on, on vous demande de quelle wallet vous voulez euh, vendre donc là j'ai sélectionné mon wallet bitcoin moi j'ai déjà euh, revendu les quelques bitcoins que, que j'avais sur Coinbase donc là actuellement je suis à zéro euh, et euh, j'ai grisé le, le portefeuille en euros parce que j'ai déjà retiré de l'argent donc actuellement j'ai 2 euros dans un wallet euro sur Coinbase ils sont pas sur mon compte en banque ils sont dans mon compte de coinbase soit je peux réinvestir euh, par un nouveau buy sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum, sur du Litecom. Soit je le laisse, pour l'instant, parce que ça ne m'intéresse pas de le bouger, sur mon wallet en euros. Soit je décide de les sortir et de les transférer vers mon compte bancaire. Et du coup, là, on va avoir une nouvelle transaction qui va être faite. Les comptes... Euh, donc quand vous cliquez sur Your Accounts, sur l'interface sur principale, vous avez vos différents comptes. donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Vous voyez le petit, euh, les petites icônes Send et Receive. Envoyer, recevoir. Si vous souhaitez envoyer des Bitcoins vers un portefeuille Bitcoin, autre, une entreprise qui vous vend un produit, ou un autre de vos wallets bitcoin donc vous voulez transférer des bitcoins de votre wallet qui est sur le site coinbase vers euh, un autre wallet que vous avez et bien vous allez cliquer sur send et il va vous demander quel montant et quelle adresse de destination de la même façon que quand vous faites un transfert SEPA vous lui indiquez le montant et l'IBAN de la personne qui est en destination dans l'autre sens, si vous voulez recevoir de l'argent, vous cliquez sur Receive, il va vous indiquer votre adresse publique que vous devez euh, donner à la personne qui veut vous envoyer de l'argent. Euh, et vous lui dites, voilà, vous m'envoyez tel montant sur cette adresse-là, et il va, cela va apparaître sur votre wallet euh, personnel. Alors j'ai mis des notes. Coinbase est une plateforme qui est assez chère en frais. Hein, je vous l'ai dit, c'est assez lourd en termes de, de service, c'est un truc où il y a beaucoup de volume, euh, mais elle est très facile d'accès. Vous voyez, c'est des interfaces qui sont très basiques, qu'on comprend euh, de manière assez intuitive, et c'est relativement sécurisé. Rappelez-vous quand même, hein, ce sont des hot wallets, donc des, des wallets qui sont en ligne chez Coinbase. Donc ils ont votre clé privée de ces wallets-là pour pouvoir y accéder et faire les transactions. Euh, ça. Donc si quelqu'un vient hacker Coinbase et récupère ces clés-là, il peut vous soutirer votre argent. C'est déjà arrivé euh, sur, certains, euh, sur certains exchanges. Il ne faut pas non plus être complètement parano, mais il faut savoir qu'il y a ce risque-là potentiel. Mais voilà, c'est quand même une plateforme que je vous conseille pour démarrer parce que c'est facile de la prendre en main, c'est facile de comprendre le système, c'est facile de comprendre les, les, les évolutions de la, de la monnaie, etc. Il y a une possibilité de baisser les frais. De Coinbase en utilisant un autre site qui s'appelle GDAX qui utilise la même infrastructure. J'allais dire, là c'est déjà, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo là. Mais voilà, et sur GDAX, on a moyen de euh, baisser les frais en, en ce positionnement, en ce fixe d'achat, etc. Donc ça fait baisser les frais. Mais là, quand vous en serez là, vous en serez déjà à un niveau de compréhension des transactions qui est un peu plus euh, évolué. Voilà donc pour l'instant euh, Coinbase.